la Pentecôte, c'est vrai que le Saint-Esprit est descendu, hein, mais ce n'est pas ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. N'est-ce pas? Ce jour-là, il est descendu sur les disciples. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il est venu. Donc ce n'est pas la fête, la Pentecôte, ce n'est pas la fête du jour où le Saint-Esprit est venu sur terre. Non, il existait déjà. Parce que depuis le commencement, on a dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait et il était déjà là. Amen. Donc la fête de la Pentecôte, retenez bien, ce n'est pas la fête de l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre. Donc quand le Saint-Esprit vient sur nous, comme celui qui nous conduit, comme celui qui nous pousse, il nous pousse à évangéliser. Amen. Si tu n'es pas poussé à évangéliser, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il nous conduit. Vous savez, si nous sommes venus ici, là, nous avons été poussés. Hein? Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Nous, c'est-à-dire, on nous a conduits ici. Il nous conduit à venir vous parler. Il nous conduit à venir vous enseigner la parole de Dieu. On dit, quand ils ont cru, ils ont reçu le Saint-Esprit, il a dit quoi? Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Es-tu en train d'évangéliser? N'es-tu pas en train d'évangéliser? As-tu reçu le Saint-Esprit? On dit, quand ils ont cru, ils ont reçu le Saint-Esprit, il a dit quoi? Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Es-tu en train d'évangéliser? N'es-tu pas en train d'évangéliser? As-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que quand tu reçois l'Esprit, il te pousse à évangéliser. Il te pousse à gagner le monde. Il te pousse à faire connaître Dieu aux frères qui ne l'ont pas encore reçu. Amen. Tu parles de Dieu à quelqu'un? Tu as le souci de partager ce que tu as reçu pour que tes frères aussi soient sauvés? Est-ce que c'est un souci pour toi? Parce que ça, c'est le souci de l'Esprit. Le Saint-Esprit a le souci de gagner le monde. Et s'il est en toi, si tu l'as reçu, avec toi, il gagne le monde. As-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui nous pousse. C'est lui qui nous conduit. Nous ne faisons pas les choses de nous-mêmes. Quelquefois, on n'arrive pas à nous comprendre. On ne nous comprendra pas. Amen. Ne cherche même pas à me comprendre. Amen. Si tu cherches à me comprendre, demande-toi, as-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu penses que je suis fou, as-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu penses que papa Sam est fou, as-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu comprendras ce qu'il fait, tu comprendras ce que nous sommes en train de faire, parce que nous ne faisons pas par nous-mêmes, nous faisons par l'Esprit de Dieu qui nous pousse. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il te pousse à l'évangélisation. Donc, la question est capitale. On ne pourra pas aujourd'hui dire tout ce que le Saint-Esprit peut faire pour vous et en vous. Mais nous avons un livre déjà que vous pouvez acheter. Les sept choses que l'Esprit peut faire en vous et les sept choses que l'Esprit peut faire pour vous. Ce livre-là est disponible. C'est un livre de Pasteur Christ et Akilome. Vous pouvez l'acquérir et bien comprendre ce que le Saint-Esprit est venu faire pour vous et en vous. Ça va vous aider, parce qu'en quelques minutes, on ne pourra pas tout expliquer. Donc, recherchez ce livre, demandez ce livre à la librairie, et vous l'aurez, et vous allez l'étudier pour comprendre le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul. C'est pour lui que nous sommes là. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin d'avoir église. Parce qu'il est venu pour le commencement de l'église. C'est lui qui a démarré l'église. Donc, l'église est là parce que le Saint-Esprit est là. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on peut fermer les églises, ça ne sert à rien. Vous devez comprendre le Saint-Esprit. Hein? Cherchez à connaître le Saint-Esprit. Et vous allez voir que la vie sera facile. Parce qu'avec Dieu, tout est facile. Tout est possible. N'est-ce pas? Puisqu'il faut connaître. La chose est impossible quand tu ne sais pas comment faire. Mais quand tu sais comment faire, où est ce qui est difficile dedans? C'est toi qui apprends aux autres comment faire. Donc quand tu dis que la chose est impossible, quand tu vois la chose est impossible, en fait, c'est la limite de tes connaissances. Sinon, il n'y a pas d'impossibilité sur la terre. Il y a une limitation de connaissance. Quand on dit non, il n'y a pas médicament de ceci, médicament de cela, bien oui, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau de connaissance. Mais vous allez voir que quelques temps après, ils trouvent le médicament. Donc quand on dit c'est impossible, ce n'est pas vrai.
Il n'y a pas d'impossibilité. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, parce que Dieu connaît tout. Donc, aujourd'hui déjà, le mot impossible, quand tu veux le dire impossible, il faut dire, je suis limité par mes connaissances, remplace ça. Et puis cherche à connaître, ça va t'aider. Plutôt que de rester et dire, c'est pas possible, quelqu'un fait. C'est pas possible, c'est dur, c'est pas possible. Non, il faut dire, je ne connais pas. Sois humble. Et puis cherche à comprendre. Tu vas voir que Dieu va t'éclairer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc je disais que le Saint-Esprit, c'est capital. Gloire à Jésus, aujourd'hui c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Amen. Et ce jour-là, tu vas prendre ce jour-là pour encore te demander, ai-je reçu le Saint-Esprit? C'est un jour qui nous permet de nous rappeler ce qui a été fait pour nous aider à encore revoir notre position en Christ, pour voir si réellement nous avons le Saint-Esprit. À qui est-ce que le Saint-Esprit est donné? Lisons Actes 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. C'est clair, non? Voilà. Si le Saint-Esprit n'est pas en train de se distribuer partout au marché, c'est parce que là-bas, on ne parle pas de Dieu, on ne s'inquiète pas de Dieu, on s'en fout de Dieu. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Donc, quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un, son comportement, il ne peut pas obéir à Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. Ah! C'est tout simple. Ne vous plaignez pas de quelqu'un. Ce que vous pouvez faire, c'est prier. Qu'il rencontre le Saint-Esprit et qu'il reçoive le Saint-Esprit et que sa vie soit transformée. Quelqu'un qui ne peut pas obéir à Christ, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. C'est pour ça que quand vous verrez quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il a les fruits de l'Esprit. N'est-ce pas? Il a reçu Dieu. Mais automatiquement, ça sort, Dieu sort en lui. Il rend ce qu'il a reçu de l'abondance du cœur, la bouche sort ce qu'il a. Donc le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui fait sa propre volonté. Même quand il voit la parole de Dieu, il essaie d'arranger, il essaie de conseiller Dieu, il essaie de dire à Dieu ce qui est bon. C'est-à-dire, il devient le maître de Dieu. Dieu n'est plus son maître. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc que voilà la volonté de Dieu. Mais pour lui, en marge de la volonté de Dieu, il est plus sage que Dieu. Lui aussi, il a une volonté qu'il peut pratiquer. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il ne discute plus avec Dieu. Quand il voit la parole de Dieu, il se soumet. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui atteste qu'il est un enfant de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que tu deviens enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ça se reconnaît. Il est obéissant à la parole. Il ne fait pas le contraire de la parole. Il ne cherche pas ce qui lui plaît. Mais il cherche ce qui plaît à son Père. Il ne cherche pas, c'est-à-dire, il ne fait pas se faire plaisir à lui-même. Non, il n'a plus de volonté. C'est-à-dire, sa vie ne compte plus. C'est la vie de Dieu qui compte pour lui. La volonté de Dieu qui compte dans sa vie. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit, je dis quoi? Il ne discute plus la parole. Et comme Dieu est Dieu, on dit quoi? Il ne donne pas son Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas décidé de lui obéir. Donc tu peux venir à l'église et puis accepter le Seigneur Jésus. Tu peux dire dans ta bouche que tu veux accepter. Et puis aller vivre ta vie que tu veux. Si ton cœur n'est pas sincère, si tu n'as pas pris une décision réelle de quitter le monde et d'abandonner le péché, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Amen. Ta décision doit être sincère. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas un plaisantin. Le pasteur peut ne pas voir dans ton cœur. Tu peux faire tout le cinéma, même pleurer. Tu peux même pleurer. Tu aimes tellement le Seigneur et que tu as vu Jésus, tu vas pleurer même. Tu vas venir devant, puis tu vas l'accepter. Mais le cœur, le Saint-Esprit, sonde le cœur. Si ton cœur n'a pas pris une décision avec le Seigneur, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Tu vas aller en enfer. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, il est enfant du diable. Il n'y a pas un troisième parent au milieu. Il n'y a pas tanti, ni tonton. Amen. Le Saint-Esprit fait de toi un enfant de Dieu.
Et ce Saint-Esprit-là est accordé à ceux qui obéissent au Seigneur. Donc, l'obéissance, c'est une décision pour dire, à partir de cet instant, moi, j'ai fini avec le monde. Je prends une décision d'appartenir au Seigneur. Donc, je ne ferai plus ma volonté, mais je ferai toute la volonté du Seigneur, comme David a dit. Comme il a dit quoi? J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Voilà l'enfant de Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Cette question-là aujourd'hui, tu dois déterminer ta position en Christ. Va te permettre de déterminer ta position. Ta position, c'est quoi? Es-tu soumis à cette parole, la Bible? Es-tu soumis à la parole de Christ? Fais-tu la volonté de Dieu? Parce que ce n'est plus toi qui fais, mais c'est Christ qui vit en moi, Christ qui vit en toi, qui le fait pour toi? C'est-à-dire, la parole de Dieu n'est pas difficile. Hein? Quelquefois, quand tu étais dans le monde, quand tu vois la parole de Dieu, on ne fait plus ça, on ne fait pas ça, c'est dur. Hein? C'est dur parce que tu es mondain. Mais quand c'est l'esprit qui agit en toi, ça devient facile parce que c'est l'esprit. Ce n'est pas dur. L'esprit le fait en toi et pour toi, mais par toi. Il n'y a rien de difficile. Bien au contraire. Aujourd'hui, nous trouvons les choses du monde tellement dures, tellement compliquées. Comment tu peux devenir l'esclave d'un téléphone? Quand ton portable sonne, tu trembles parce que tu ne sais pas qui appelle et devant qui. Mais c'est trop compliqué. Trembler devant un portable parce qu'on ne sait pas qui va appeler. C'est-à-dire lequel qui va venir nous... C'est trop compliqué. C'est difficile. Quand on sonne à la porte, tu as tellement... C'est-à-dire tu ne sais pas qui arrive. Bon, tu caches, va regarder qui est là. Mais c'est une vie trop compliquée. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas heureux. Tu crois que tu es heureux, mais tu es un esclave. Esclave du péché. Et esclave de la mort. Tu as peur de tout. Tu crains tout. Tu as des palpitations. Parce que toi-même, tu sais dans la vie ce que tu as planté comme semence. Donc, tes palpitations ne te font pas dormir. Sinon, quelqu'un qui n'a rien planté de... Où est palpitation? Palpiter pour quoi et pour qui? Mais tu sais, donc tu ne peux pas dormir. Tu sais ce que tu as caché, tu sais ce que tu as volé, tu sais ce que tu as détourné. Donc quand ça sonne, tu sursautes. Cette vie-là, au nom de Jésus, il faut la rejeter. Dieu t'appelle à une bonne vie, une vie de paix et de joie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera toutes choses en toi. Tu seras un homme heureux. Tu seras un homme accompli parce que l'Esprit va te diriger vers ce que Dieu a préparé pour toi. Et ce que Dieu a pour toi, il dit quoi? C'est des projets de bonheur, projets de paix, projets de joie. Où est ta joie? As-tu reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Tant que tu n'auras pas pris cette décision d'obéir en totalité à Christ, tu vas souffrir. Prière et jeûne, ça ne fait rien. Prière et jeûne, pour que problème, tu sois débarrassé des problèmes, ça ne résout rien. Ce qui marche, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit comment? Accordé à ceux qui ont décidé d'obéir au Seigneur. C'est tout. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, on ne veut pas obéir, on veut faire des sacrifices, sacrifices de prière, sacrifices de jeûne, on est vraiment zélé, on peut faire même des jours et des nuits, mais quand il s'agit d'obéir, il y a des limites. Non. As-tu reçu le Saint-Esprit? Vous voyez, le Seigneur a dit quoi? Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Évidemment, c'est à dessein. Hein? Lisons Marc 3, 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Amen. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Vous voyez, il accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent parce que quoi? Si tu n'obéis pas, que tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire que toi, tu seras condamné pour un péché, ça veut dire pour l'éternité. Parce que le Saint-Esprit, ça ne joue pas. Tu peux insulter Jésus.
C'est-à-dire aujourd'hui quoi, Jésus parle. Il dit comme ça, il faut pardonner si on te gifle sur la... Enfin, tout ça c'est le Saint-Esprit. Jésus de son vivant parle. Tu peux ne pas faire sa volonté. Mais dès lors que c'est le Saint-Esprit qui te parle, si tu ne fais pas, là c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu rejettes l'Esprit de Dieu. Si tu le rejettes, tu mourras en enfer. Il n'y a pas pardon pour ça. Il n'y a plus de pardon quand il s'agit de Saint-Esprit. Donc Dieu ne peut pas donner son Saint-Esprit à quelqu'un qui est désobéissant, c'est qu'il veut le tuer. Quand Dieu veut te tuer, peut-être il va te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que dès qu'on te donne, tu fais ce qu'on ne veut pas là. N'est-ce pas? Tu refuses. Tu t'opposes au Saint-Esprit. Mais tu seras tué. Tu seras tué. Tu as été tué même avant ton temps. Parce que dans tous les cas, tu mourras en enfer. Mais tu pourras être tué avant ton temps. Or, Dieu est patient. Il voudrait que tu te repentes et que tu te donnes au Seigneur et que tu sois sauvé. As-tu reçu le Saint-Esprit? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, je dis quoi? Tu es capable de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il dit quoi? Celui qui vit en moi, n'est-ce pas? Est plus grand que celui qui vit dans le monde. Donc quand le monde viendra te faire des propositions qui vont t'emmener en enfer, le Saint-Esprit qui est en toi fera en sorte que tu sois capable de dire non, je n'ai pas besoin de tes broutilles et de tes pacotilles. Aujourd'hui, quelquefois, on dit quoi? Non, le monsieur, bon, j'ai une femme et puis une copine, deux. Bon, vraiment, j'ai du mal à libérer une. Vraiment, je veux vraiment me séparer, mais ce n'est pas facile. C'est dur. Oh, vraiment. Sinon, je veux vraiment. Je veux me séparer. Mais en tout cas, ce n'est pas facile. C'est vrai. Pour toi, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? C'est vrai. Puisque tu veux le faire par ta force. Il ne se donne ni par la force, ni par ton intelligence de tes calculs. Mais c'est par son esprit. Si tu choisis d'être obéissant, tu vas voir que l'esprit va te rendre capable d'affronter, de dire. Parce que tu veux marcher dans la vérité et non plus dans le mensonge et dans les cache-cache. Avec l'Esprit de Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est par son Saint-Esprit. Examine toutes choses. Là où tu vois qu'il y a des difficultés à obéir à la parole de Christ, prosterne-toi et dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux être obéissant et tu veux recevoir son Saint-Esprit. Il te rendra fort comme un buffle. Il te rendra fort. Il te rendra fort. Là où tu vois que tu ne peux pas affronter la situation, tu veux quitter un tel péché, tu ne peux pas quitter un tel péché, tu prends telle décision, ça échoue. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu pourras tout faire selon la volonté de Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Lisons 2 Timothée 1. 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit habite où? En nous. N'est-ce pas? Quand tu reçois le Saint-Esprit, on dit quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit vient pour habiter en nous. C'est-à-dire quand il est revenu cette fois-ci, il a établi sa demeure en toi. Donc en fait, quand tu bouges comme ça, ce n'est pas toi qui bouges, c'est l'Esprit de Dieu qui bouge. C'est pour ça que quand le sorcier te rencontre, il fuit. Tu es la maison de Dieu. N'est-ce pas? Tu deviens la maison de Dieu. C'est en toi, au travers de toi, que Dieu accomplit tout ce qu'il veut faire sur cette terre. On dit quoi? Tu es le quartier général de Dieu. Tu es le bureau de Dieu. Dieu a établi sa demeure en toi. Ton corps ne t'appartient plus. C'est-à-dire que Dieu fait de ce corps-là ce qu'il veut. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc ne cherche pas. C'est-à-dire quand tu as reçu le Saint-Esprit, il est en toi et tu es tranquille. Ce n'est pas parce que quand tu vas venir à l'église et que l'Esprit est là, alors là tu dois être sérieux. C'est là que tu commences à changer la démarche parce que tu es arrivé où Dieu est. As-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne laisses pas Dieu derrière toi ici à l'église et puis aller à la maison vide. Tu bouges avec le Saint-Esprit, tu vis avec lui, tu fais tout avec lui,
Le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur. Il n'est pas le pasteur que tu laisses à l'église. Il vient pour habiter en toi. Donc, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Tu mens. C'est au Saint-Esprit que tu auras menti. Paul a dit quoi? C'est pas à moi que tu as menti, hein? Ananias et Saphira. C'est au Saint-Esprit. Donc, si tu mens, tu mens au Saint-Esprit. Tu voles, il est là. N'est-ce pas? Tout ce que tu fais dans le dos de l'église, dans le dos des frères chrétiens, dans le dos des pasteurs, le Saint-Esprit est présent. Il est venu sur la terre, hein? Il existe, il est bien là, et c'est Dieu. Mais comme il est esprit que tu ne le vois pas, tu penses qu'il est resté à l'église. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit en nous. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, partout où tu es, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu bouges avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Ça veut dire toi, tu bouges avec tout ton secours. Tu bouges avec toute ta provision. Tu comprends? Tu bouges avec toute ta protection. Ça veut dire tu te déplaces avec tout. Donc, tu n'as pas de manque. Tu ne vis plus dans le manque. Mais tu vis dans l'abondance. Parce que les choses-là sont déjà en toi. As-tu reçu le Saint-Esprit? Romains 8, 29. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Claire. Quand vous avez cru, quand vous avez accepté Jésus, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'appartiens pas à Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu vis une vie conduite par le Saint-Esprit ou tu vis une vie qui est conduite par la chair? N'est-ce pas? Quel est le genre de vie que tu vis? C'est ta chair qui te conduit? Non, je l'aime. Malgré que le Saint-Esprit te dit que non, tu n'as pas droit à ça, mais je l'aime, mon cœur. Je l'aime, oh. C'est une affaire de cœur. Amen. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire de mort. Ah oui, je vous dis la vérité. C'est une affaire de mort parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. C'est une affaire de cœur, ok. C'est une affaire de pénitence sur la terre. C'est une affaire de difficulté. C'est une affaire de courir d'église en église et chercher une solution. C'est une affaire de rentrer ici, sortir miracle. Rentrer ici, sortir, ne rien avoir et courir jour après jour et se fatiguer. C'est une affaire de cœur, non? Je vais te dire que c'est une affaire d'esprit. Si tu rencontres le Saint-Esprit, tu vas arrêter de courir. Amen. Tu vas arrêter de courir. Amen. Parce que tu seras en paix. Amen. Et l'Esprit t'accordera toutes choses. Amen. Parce qu'il est capable. Amen. Tu examines ta vie et tu te poses la question, ai-je reçu le Saint-Esprit? Quand tu l'as reçu, il fait la différence sur la terre. Quand tu l'as reçu, il fait de toi une différence. Il te distingue. Il te distingue. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas? Devenir enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu pour quoi? Pour nous glorifier. Pour nous glorifier. Tu dois être distingué avec l'Esprit de Dieu. Tu dois être distingué. Dieu va te distinguer si tu as l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il faut rechercher l'Esprit. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Il faut désirer. Il a dit, si tu demandes, il te l'accorde. Siméon était un homme quoi? Obéissant et pieux.
Et il avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est valable, c'est-à-dire c'est disponible. C'est-à-dire c'est versé, comme on dit. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu le demandes? Est-ce que tu le désires? Lui, il veut. Il est tout près de toi. Tu peux simplement demander. Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre une nouvelle direction. Je ne veux plus vivre par moi-même. Je voudrais que tu conduises ma vie. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Je prends la décision aujourd'hui de vivre selon ta volonté. Père, je veux ton Saint-Esprit. Je veux ton Saint-Esprit. Je suis prête. Je suis prête. Je veux ton Saint-Esprit. Joyeux anniversaire, Saint-Esprit. Père, que ton nom soit béni. Seigneur, il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Père, je veux bénir ton nom en ce jour de Pentecôte où tes enfants ont entendu ta voix et ils ont décidé de se donner à toi. Père, ils ont pris une décision de se soumettre entièrement à ta volonté, d'être obéissants en toutes choses, afin que ton Saint-Esprit vienne sur eux. Père, je prie que tu leur accordes ton esprit maintenant au nom de Jésus. Béni sois-tu, que leur vie soit un témoignage, que ce témoignage affecte leur entourage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebénédiction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.